Waouh, regarde-moi cette lune. Ouais, j'y suis allé, moi, sur la lune. Arrête. Si je te le dis, c'est très joli. Tout a commencé un jour que je remorquais une voiture en Floride. Et tout à coup, Houston a eu un problème. Allô, Houston, j'ai un problème. C'est Impala 13. Il est planté sur la lune. Il faut le treuiller. Mais où voulez-vous qu'on trouve un treuil? Voilà, justement, une dépanneuse. Et après un petit stage d'entraînement, je suis devenu un véritable autonaute. Salut les filles, ça va? Bonne chance, Martin. Le monde entier compte sur toi. Bienvenue à bord, Martin. Moi, c'est Roger. Enchanté, Roger. Paré pour le lancement. Envoyez les gaz à fond, les gars. Lâche-moi 10 secondes. 9. Tu sais que c'est la première fois que je vais sur la lune. Tu vas adorer, tu verras, c'est génial. Mise à feu. Lancement réussi. Maintenant, tout repose sur Martin. Propulseur 1 et 2 largués. Bien sûr, Roger. Roger, vous prenez la main. À plus, la Terre. Approche lunaire en cours. Préparez-vous pour l'alunissage. Ouvrez les portes de la soute. Roger. Opération Martin Treuillage en cours. 5 sur 5. Bonne chance, Martin. Rendez-vous sur Terre. Ok, Roger. Roger. Wow. Te voilà enfin, Martin. Vite, arrime l'interface de ton dispositif de traction à la structure frontale de l'axe central de transmission. Fais ça. Et tu préfères pas que je te remorque? Mission accomplie. Ramène-nous à la maison. Rotation des réacteurs, réchauffage, bascule différentielle, déblocage compensateur d'inertie, mise à feu propulseurs latéraux. Basta! Et me voilà reparti à près de 30 000 km à l'heure. 30 000 km à l'heure? Tu veux rire? Si je te le dis, mais à côté de toi, je me traînais. Oh ouais! Oh, c'est trop génial! Attention à la rentrée! C'est chaud! T'inquiète pas, je te treuille. C'est comme je te le dis. On a été accueillis comme de vrais héros. Mais en fait, Martin, à quoi sert un treuil en apesanteur? Accrocher la lune. N'importe quoi, c'est jamais arrivé. Bon, comme tu voudras. Martin, Houston a encore un problème. Ok, Roger, Roger. Mettez les gaz à fond, les gars.